quand on voit le cinéma de Rouquet, qu'est-ce qu'on attend de Rouquet? Au fond, il ne parle que des gens simples. Il faut que je vous dise tout de suite une chose. Par goût, j'ai toujours recherché l'authenticité. C'était sa quête, ça. Et pourquoi est-ce sa quête? C'est un monsieur qui, avant d'être un monsieur, a été un petit garçon, qui a perdu son père à la guerre de 14, alors qu'il avait 6 ans. Bon, sa mère, c'est une dame qui avait ouvert une petite échoppe vers Montpellier, et tant que le mari était là, ça roulait un tout petit peu. Quand le père de Georges est mort, tué en janvier 1915, eh bien, ça a été un tel désastre que la mère a tout abandonné. Alors, ils se sont trouvés tous les deux comme deux petits malheureux, car il n'y avait pas de famille dans tout ça. Et la maman de Georges a pensé qu'il avait des cousins dans l'Aveyron et que sans doute ça lui changerait les idées. En fait, ça les changeait surtout à elle, les idées, parce que cette femme, elle était fichue, perdue. Mais l'enfant, c'était, ça primait tout, quoi. Alors elle l'a envoyé chez ses cousins. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Farbic. Qu'il est arrivé à Farbic, il avait 6 ans. Alors, il vit sa vie un peu tristounette à 14 ans. Il monte à Paris, comme on dit, pour travailler. Et alors là, qu'est-ce qu'il trouve comme boulot, après avoir fait toutes les boîtes de France et de Navarre? La typographie. Bon, la typographie, ça lui a beaucoup plu. Après, il y a eu la linotype, il a encore beaucoup aimé ça. Parce qu'il a un très grand respect, et ça, c'est très amusant aussi. Il a un très grand respect pour les manuels. Je crois qu'il ne s'est jamais méprisé. Je crois même qu'il a aimé la plupart des choses qu'il a faites. Il faut s'entendre là-dessus. Quand il dit qu'il était content d'avoir fait ça, ça voulait dire: je n'avais pas d'argent. On a quand même bien condescendu à me donner 3 sous pour le faire. Parce que, contrairement à la plupart des gens, il y a des gens qui pensent que tout leur est dû. Tandis que Rouquet, lui, il pensait que jamais rien ne lui était dû. C'est une toute autre démarche, ça. Alors, quand il a réussi quelquefois, la plupart du temps d'ailleurs, à faire ces films avec cette beauté qui sont en eux, parce qu'on peut tout reprocher à Rouquet sans doute, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est le regard qu'il a sur les hommes. Les hommes, enfin, je veux dire l'humain. Il n'y en a pas des comme ça. Mais lui, c'est son cœur qui parle là. Et donc, quand il dit « je ne regrette pas d'avoir fait ça », ça veut dire qu'il est content avec les moyens qu'on lui a donnés, car tous les moyens ont été mesurés, je peux dire, au gramme près. Ah, s'il y a un homme qui a souffert de ne pas avoir d'argent, pas pour lui en plus, hein, mais pour faire quelque chose, eh bien c'est Rouquet. Il n'est pas le seul, probablement. Farbic, c'est un film qui a été tourné dans le Rouergue, et c'est la vie d'une ferme au cours des événements d'une année. Il aime Farbic, et pour cause. Mais enfin, il y a un moment, il faut quand même se dégager la cervelle. Hein. Il y a des jours, il me disait, mais je peux plus le voir, je vais le détester à force. Pour faire parler un comédien qui n'est pas comédien, comment on fait? C'est des plans, contre-champ, champ, contre-champ, etc. Et tout est fait comme de la dentelle. Hein. Mais personne ne le voit. Le mal qu'il s'est donné pour faire son cinéma, il y a des moments, je me dis, il devrait être au pinacle. Il était extrêmement réaliste, il ne fallait pas lui parler seulement de la pluie et du beau temps, hein, non. Un sexe, c'est un sexe. Moi, des fois, je lui disais, mais t'es pas obligé de le dire comme ça. Ben, il me disait, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, tu te le prends comme ça. Mais par sa poésie, il arrivait à transformer les choses. Exactement. C'est-à-dire qu'il transcendait tout. Et ça devenait beau, lyrique, et propre, je dirais. Un jour, il m'a dit qu'il aurait aimé faire un film un peu coquin, où l'homme et la femme font ce qu'ils font naturellement. Mais alors, il en avait parlé à un producteur qui avait dit, mais ok, c'est pas pour vous, ça. Et pan. Pourquoi? Parce qu'il fait pas l'amour, ok? Le film, à peine terminé, commence l'affaire Farbic. Le jury de sélection du premier festival de Cannes, par 7-2, l'élimine de la compétition. Henri Janson, membre de la commission de sélection, bataille pour le refus de Farbic, bien qu'il s'en défende. Farbic n'a pas été proposé à nos suffrages. Je suis, il est vrai, de ceux qui trouvent le film ennuyeux. Je ne tiens pas la bouse de vache pour une matière photogénique. J'ai peut-être tort, j'en conviens, mais je proteste contre ceux qui prétendent en toute mauvaise foi que Farbic a été recalé.
Le refus du comité de sélection mobilise une partie de la presse. Maurice Bessy déclare qu'il est proprement scandaleux que ce film n'aille pas à Cannes. Jean-Pierre Levé parle d'une nouvelle bataille d'Hernani. André Bazin d'une erreur inexplicable et inexpiable dont le festival porte le poids comme un remords. C'est grâce à cette presse que le film finit par être montré, malgré tout en off, au festival et qu'il obtient le prix de la critique internationale spécialement créé pour le distinguer. La véritable consécration sera l'attribution du Grand Prix du cinéma français en 1946. Il aura fallu 4 tours de scrutin pour que Farabik puisse enfin l'emporter à la majorité relative. Jusqu'au dernier tour, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné et Les Bataillons du Ciel d'André Bartomieu étaient favoris. Mais Carlo Rim défendit avec une telle passion le film de Rocquier que le jury finit par céder. Celle de la Terre, je l'ai vu plusieurs fois et je le vois toujours avec bonheur. Je ressens d'abord de l'air, le large, je ressens ça. Après, je vois les petits détails qui m'ont déjà frappé, mais qui me refrappent à nouveau parce qu'il y a quelque chose qui est simple, aéré, joli, aimant, je dirais presque. On sent qu'il y a de l'amour là-dedans. C'est quelqu'un qui aime cette terre et qui en parle avec amour. Et on sort de là content, heureux. C'est comme ça que je sens le film, moi. Ça se passe en Camargue. Et pour qui connaît Georges Rouquet, il sait que la Camargue, c'est son pays un petit peu. Mm-hmm. Hein, il est né à Lunel. Donc Lunel, la Camargue, c'est connu. Et ça semblait aller de soi. Mais ça n'a pas été de soi. C'est simplement M. Jean Monnet, qui était un grand économiste très célèbre et très reconnu, qui faisait autorité à cette époque. On ne parlait que de lui, d'ailleurs. Le sel de la terre est un film des commandes proposé à Georges Rouquier pour promouvoir le plan Monnet. Jean Monnet, économiste et homme politique, a joué un rôle important pour l'unification de l'Europe. C'est lui l'initiateur de la planification européenne et de la modernisation de l'équipement. Le sel de la terre est censé vanter la réhabilitation du système d'irrigation et la culture du riz en Camargue. Les machines, tous ces engins qui servent à trier le riz, le sécher, etc. Moi, personnellement, en tant que femme, je ne suis pas séduite. Je veux dire par là que savoir que le riz se fait comme ça, se sèche comme ça, ça passe par là et ça repasse par ici, ça ne me séduit pas sur le plan esthétique. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a là une nature qui est belle, des animaux qui ont l'air de parler. Enfin, c'est magique un peu. Et ça me plaît. Je trouve que le film reste beau, intéressant et pas du tout ennuyeux comme souvent on dit « Oh, les documentaires !» Mais ça n'est pas un documentaire en ce sens qu'il a tout de même choisi de faire parler, enfin, de le dessiner comme ça, de mettre des animaux dedans alors que ce n'était pas dessiné non plus au départ. Ça, c'est tout son imaginaire qui rentre là-dedans. Il me semble qu'il a toujours été très sensible à la souffrance des hommes. Alors je doute qu'il ait exalté la partie technique, qu'il l'ait exalté pour des bonnes causes, oui, mais pour faire joli, je crois pas. Le sel de la terre, tourné en Camargue en 1950, montre la lutte contre l'invasion du sel, un fléau qui menace de transformer le pays en désert, car on a oublié les anciens qui, avec leurs stations de pompage, leurs digues et leurs réseaux de canaux d'écoulement, étaient arrivés à maîtriser le désastre causé par le sel. En somme, une leçon d'actualité sur l'écologie, sur les relations homme-nature. Comme dans ses autres films, Rouquier laisse transparaître sa sympathie inconditionnelle pour les gens qui peinent. Il a recours, comme dans Farabik, aux prises de vue image par image, pour montrer de façon poétique la croissance du riz. Ici, comme dans Lourdes et ses miracles, Rouquier apparaît à l'image, toujours un premier spectateur et garant de ce qu'il se propose de montrer. Mais Rouquier dépasse le côté propagandiste et apporte sa touche. Dans la première partie, par le lyrisme avec lequel il représente la nature. Dans la deuxième partie, avec un clin d'œil à Chaplin et Eisenstein sur la modernité. La marche des machines, la musique qui martèle, le montage rapide. L'action de SOS Noronha se passe dans l'île brésilienne San Fernando de l'océan Atlantique. Un tournage sur place étant exclu, le film se tourne en Corse, dans une reconstruction de la station radio de la concession française. Les dialogues sont réduits au strict minimum. Des hommes aux prises d'une réalité difficile n'ont aucune raison de pérorer sur leurs états d'âme. Le spectateur se trouve face à des apparences banales
et d'une négation évidente du héros de l'histoire, joué par Jean Marais. Imposé par la production pour ce rôle, Jean Marais n'aurait de toute évidence pas été le choix de Rouquier. Ce qui est remarquable dans le film, c'est sa structure qui répond aux règles de l'unité du temps, du lieu et de l'action. Tout se passe en 24 heures, sur l'île de San Fernando, et l'action se résume à une montée longue et lente de l'angoisse. Il y a eu un affreux malentendu, parce que le producteur lui a dit « Ben voilà, il faut que ça soit fait en 2 mois, le script et tout le tralala. » Il a essayé de plaider un peu le dossier en disant « Mais 2 mois, c'est impossible. » Alors, ils lui ont fait comprendre que c'est ça ou rien. Et puis, ils lui ont fait valoir qu'il pourrait avoir Jean Marais, et que tout de même, c'était maintenant qu'on pouvait l'avoir et pas après. Ce qui est d'ailleurs une faute regrettable. Parce que Jean Marais en danseuse étoile, peut-être, mais là, en faisant un pilote difficile, et hein, c'était pas évident. Et donc, pour ces 2 malheureux mois qui ont pesé sur ce film, eh bien, il a accepté. Poussé par les uns, un peu par les autres, pas toujours d'une manière tout à fait désintéressée, parce que ça, je pense qu'on ne peut pas être désintéressé quand on a des problèmes d'argent. Quand on attend la paye pour manger, on ne peut pas être désintéressé, il faut qu'on mange. Voilà. Alors, je me suis contentée de prendre un billet de train et puis de bateau, et je suis allée en Angleterre en me disant que je ne voulais pas assister à ça. Alors, maintenant, je vais faire déplaisir à pas mal de personnes, mais je vais le faire quand même, parce que c'est dans ma nature. Je n'aime pas ce film. Voilà. C'est un beau film. Je sais ce qu'il y a dans ce film, mais je sais ce qu'il n'y a pas. Voilà. Et ça, ça a été pour moi le premier grand déchirement, et le seul d'ailleurs, que j'ai eu avec Rouquier. J'ai toujours été en harmonie avec lui sur le travail, surtout, sauf pour ce film, que par ailleurs je trouve d'une certaine noblesse, une certaine allure. Mais il y a Jean Marais et déjà ça me gêne. Film sur l'aviation sans avion. Film sur l'héroïsme dont les héros échouent. L'histoire d'une révolte qu'on ne voit pas. Épisode d'une légende dont le héros, Mermoz, n'apparaît pas. Ni constat, ni fiction, ni documentaire, SOS Neurone a un paradoxe brut et brutal. Mais au-delà des scories qui l'encombrent, il s'agit d'une œuvre d'une qualité certaine et d'une profonde signification. C'est ainsi que Dominique Ozel, biographe de Rouquier, formule son exergue sur ce film. À la sortie, en juin 1957, François Truffaut assassine le film. Jean Dutour réplique en prenant la défense de l'œuvre de Rouquier. Il est sûr que SOS Neurone prendra sa place dans l'histoire du cinéma, que dans 10 ou 20 ans, des yeux plus exercés distingueront les feux obscurs de ce bijou énigmatique. Et il cite Valérie, « Ne reste d'une époque que ce qui est caché ». C'est donc un film de commande, commandé par l'Église. Ça ne s'est pas fait tout simplement quand même, ça non plus. Il y avait des gens qui étaient pour et puis d'autres qui étaient un peu moins pour. Pas par rapport à Rouquier, mais par rapport au thème qui sans doute devait leur sembler un petit peu délicat, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'était comme ça. Les producteurs n'avaient pas beaucoup d'argent et ils avaient pensé qu'on pourrait le faire en 30 minutes. Et genre, j'étais quand même un tout petit peu dubitatif. Toujours est-il que cette histoire qui devait durer 30 minutes va en faire 90. Et là, c'est la grande difficulté parce que les producteurs disent « Non, c'est trop, patati, on peut pas, enfin bref. » On commence à rogner ici, à rogner là, puis finalement, on n'a pas pu rogner parce que ça se rognait pas. Tout le monde attend les miracles. Et curieusement, il se passe 2 miracles. Alors ça fait un petit peu de scandale, un petit peu autour. Les, surtout les ceux qui ne sont pas croyants. Alors, Truffaut, en parlant de Rouquier, il a dit « Rouquier n'a montré que le visible ». Parce que moi, je voudrais voir comment fait M. Truffaut pour montrer l'invisible. Georges Rouquier se présente comme le premier spectateur de ce qu'il filme. Il se pose ainsi en garant de l'authenticité de ce qu'il nous montre. Il nous invite à le suivre par caméra interposée, une technique particulièrement bien vue pour un tel sujet. Jamais persifleur ni naïvement dévot, il s'adresse directement au spectateur, lui fait part de ses remarques, lui permet de participer à une enquête, on pourrait dire une quête,
sur la signification et l'origine des miracles. On lui a demandé un travail, et je crois, franchement, qu'il s'est efforcé de rester aussi objectif qu'il a pu. D'ailleurs, il le dit, il dit « Je n'ai pas pris position, je ne les ai pas obligés à dire quelque chose. Ils ont dit ce qu'ils ont voulu, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, je n'ai pris qu'eux-mêmes. » Il n'a pas fait de cinéma. Il n'a pas cherché le visage qui parle. Il y a eu des choses drôles, involontairement, mais parce qu'elles étaient grotesques dans le film. Là où il s'en est payé un tout petit peu, mais il le dit parce qu'il est très, très loyal, c'est quand il nous montre la Vierge lumineuse et garantie lavable. Il faut quand même le faire, ça. Alors ça, il s'en est pas privé, parce que ça le choquait alors terriblement, je veux dire. Il n'a pas d'état d'âme imbécile comme ça. On lui aurait dit, voilà, il y a un panier de pommes ici. Montrez-nous ce panier de pommes. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? S'il faut montrer les pommes, il a peut-être sa vision, il y a peut-être une manière de les montrer. Il doit y avoir des couleurs différentes. Il y en a peut-être une pourrie là en dessous. Lui, il ira chercher la pourrie, c'est ça son truc. Il est intéressant de constater au fur et à mesure de l'enquête le subtil glissement de l'enquêteur-réalisateur. Car si une vérité sort bien du film, c'est que ces miracles ne sont pas des supercheries, mais des phénomènes bien réels, même s'ils restent inexpliqués par la science officielle. Mais le film n'est pas qu'une fraude enquête. Il est aussi un témoignage fort sur la vie des gens qu'il interviewe. On sent chez le réalisateur son amour pour les gens modestes, ordinaires, qui ne cherchent pas à convaincre, n'abusent pas de la rhétorique, mais expose leur cheminement, leur propre questionnement avec des mots simples. Il porte aussi un témoignage de la logistique si étonnamment surannée de l'époque, le transport, le passage et les encombrements des chariots pour malades. Le temps n'y aura rien fait, les miracles sont toujours là. On lui a toujours demandé, est-ce que vous êtes croyant? Et à ça, il a répondu, écoutez, le film, c'est pas ça. C'est pas de savoir si je suis croyant ou pas croyant. Le film, c'est de savoir comment ça s'est passé une journée de pèlerinage à Lourdes. C'est ça le thème du film. C'est pas autre chose. Même le père Avril, qui connaissait bien Georges, etc., et qui était un homme d'une grande finesse, paraît-il, ne lui a pas posé la question sûr que Georges ferait un truc qui serait dans l'esprit. Ben, ce qui dérange, c'est qu'on a l'impression que c'est un film païen, quoi, en somme, quelque part, que Georges a triché. Lourdes et ses miracles traite d'un sujet qui nous interpelle encore aujourd'hui comme il y a 200 ans. Il y a bien sûr l'ironie des rationalistes. Et il y a la grande prudence, bien compréhensible, mais qu'on pourrait même qualifier de quelque peu embarrassée, de l'Église. On a accusé Georges Rouquier à propos d'autres films d'être trop didactique. Il fallait justement toute sa pédagogie pour traiter ce sujet délicat. Il y a une chose qui est très amusante, Farabique, c'est Georges le chrétien.